Mais poussez-vous. Allez. Et ça va être qui le boss? Ça va être Ganon? Parce que dans le jeu de base, tu bats d'abord Octavo. Attends, parce que là, je crois qu'il y avait un bonus. Mais d'abord, sauvegarder. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il y avait un bonus ici. Attention, il n'y a pas de bonus. Alors que le flanc m'a mis. J'aime bien le flanc, mais quand même. Hein. Ah, les flèches de glace. Impec, ça, c'est bien. D'ailleurs, pourquoi j'ai pas équipé d'autres flèches? On va prendre des flèches de glace parce que j'aime bien la glace. Mais en vrai, non. On va pas faire ça. On va prendre des flèches électriques. Non. 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 C'est ridicule de se paumer autant comme ça dans le menu. Ah, j'ai peur. Allez. Pouette, 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 pouette. Pouette, 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 pouette. Mais là que j'ai tous les instruments, je peux y aller au moins. Je sais même pas ce qu'il faut que je fasse. Ah si, c'est bon. Mais j'entends rien à foutre, je passe par ton magie. Quand on ne me dit pas que tu es enfermé dans mon body. Tu ne pourrais pas rentrer si tu n'as pas les 4 instruments magiques, tête de lunettes. Mais je les ai. Pourquoi elle se fout de ma gueule? Bon, château d'Hyrule. Je fais n'importe quoi, je ne sais pas me battre contre les... Il maîtrise pas très bien son carré, lui, par contre. Hein. Comparé à moi, le maître du carré. Raté. Allez. La sauvegarde, d'abord. La sauvegarde. La sauvegarde, ouais, 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 la sauvegarde, la sauvegarde. Ouais, 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 élégant, ouais, ouais, on s'en va, ouais, ouais, ouais. On va chercher l'interrupteur. C'est bon, il m'a pas vu. Ok. J'ai cassé un pot. Allez, on y va. Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. Pouette, pouette, pouette. On détruit les herbes pour voir si on a des cœurs. La 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 la. Tu maîtrises pas ton carré. Et si, il le maîtrise. Non. Qu'est-ce que je fais là? Oui, c'est ça que je voulais prendre. Oula, et le café, il a pas été très efficace, hein. Mais comment je fais pour le tuer? Comme ça, voilà. Au moins, il me fout la paix. J'espère que j'ai une grosse arme. Bombe. En secours. Ce jeu se moque de moi. Ah, petit problème. Je fais comment? Parce que s'il faut être soit Link, soit Zelda. Non, déjà on va lui... J'ai pas de... Oh non. Alors attends. Je peux aller là, très bien. Et si je mets une bombe, ça passe. On faisait ça avant. Hein. Ok, c'est bon. J'ai eu peur. Je me suis dit, oh non, faut qu'on soit Zelda ou Link. Ça va. Heureusement, ils ont pensé à ça. J'ai envie de dire heureusement. Je déteste ce monstre. Il faut une clé. Il faut des clés. Des clefs. La canne de Sumaria, hein. Meilleur objet. Hein. Allez, des dégâts. Ouf. Oh, fallait. Ça, c'est vrai que j'en ai. Je crois que j'en ai jamais eu des dégâts de.
avec Octavo, mais faut pas en donner. Hein. Parce que taper à deux comme ça là, quel plaisir. Mais quel plaisir. Ah oui, non mais c'est trop bien. Hein. Explosion, la la la. Pas pour tout le monde apparemment. Tiens, mange ma canne. Ouf. J'ai pas de clé, toujours pas. Oh là là. Mais si je maîtrise mon carré là, ça fait encore plus de dégâts. J'ai l'air de maîtriser mon carré ou pas? Je maîtrise mon carré. C'est quoi ça déjà? Oui, en moins un coup, on aime bien. Les bombes instantanées aussi, c'est bien avec l'anneau, mais... J'y pense pas souvent. Malheureusement pour moi. Boum! Mais il me faut ces bottes pour le boss de fin, hein. J'ai envoyé un coup, ça y est. Ta patata ta. Pam pa pa patapata. Oh là là. Bon alors la maîtrise du carré, zéro. Zéro maîtrise. Oh là là, mais quel nul. J'aime bien quand les ennemis s'entretuent. Bah c'était soit la flèche, soit je tuais le bonhomme. Je préférais tuer le bonhomme, désolé. Non, t'es où, toi? Boum. Allez, donne-moi une clé, voilà. Et on va dans la dernière salle. Du moins pour cet étage. Allez, go! Pourquoi il y a des cailloux? Oh non! Ils maîtrisent trop leur carré, eux. Faut se calmer, hein. Ok. Mais... Je comprenais pas pourquoi je lui faisais pas dégâts. Oh là là! Oh non mais pas ça. Mais... Après je fais n'importe quoi. Ouh là, jamais. Jamais on ouvre ça. Jamais on ouvre ce mur. Jamais. Aide-moi, donne-moi un cœur. Close enough. Pourquoi j'ai acheté deux anneaux? Certes, j'ai plusieurs doigts, mais je peux en mettre comme ça, l'anneau. Calme-toi, calme-toi! Je suis très tendu. J'ai pas envie de me planter, donc je suis très tendu. Ouais, il y a un trou. Bon, il y a un paquet, mais... Alors là, le Dark Knut... Hein. Attends. Ouf! Bim! Ok. Bon, bah laissez-moi souffler... Oh, mais j'ai pas de vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon, c'est pas grave, je vais mourir comme un caca et... Attendez, donnez-moi au moins 2 minutes de quoi... De quoi me... souffler parce que là je me sens pas bien. Je me sens pas bien. Ok. Eh ben c'est parti, go. Mais je sais pas qui on va battre en fait. C'est ça qui me... Mais on a toujours nos bottes. Donc déjà on a... C'est sûr qu'on a double dégâts. Bim! Oh, des cœurs, donnez-moi des cœurs, s'il vous plaît, plus! Y'a rien là! Je fais des cœurs, moi! Oh. Bon, allez! Voyons voir! Avec le fil du destin... Ah, pardon. Avec le fil du destin, le lutteur, mes pouvoirs sont maintenant immenses!
Rien ni personne en Hyrule ne pourra me tenir tête. Toute cette force en moi, je suis maintenant assez puissant pour vaincre Ganon de mes mains. Je dois me hâter vers le futur. C'est la fin? Genre vraiment? Y'a pas de boss? Attends, quoi? Si, je vais sûrement battre au moins Ganon. Mais tout seul, comment je vais faire d'ailleurs? Ah, mais c'est pas fini en fait. Et j'ai toujours pas de flacon. Donne-moi un flacon. N'étant pas une fille, nous sommes dans le futur, Hyrule, mais tu le savais déjà. D'accord. Mon fils, ne t'en fais pas pour cela. Ce qui est fait, fait. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent était nécessaire pour que tu arrives jusqu'ici, mais. Ma carrière de diseuse de bonne aventure est terminée. Tous mes fils convergeaient vers ce moment précis. L'avenir est flou, même pour moi. Ok, Ouais. Je vais perdre mes bottes. Je pensais que c'était le boss, mais en fait, j'avais oublié cette phase. Ça me plaît pas. Pourquoi il y a un panneau tout pourri, là? Non, j'ai resté à distance. Très bien. C'est quoi, combat? Dégâts plus 1. Oui. 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 Bravo, marchand. M'aura carré jusqu'à la fin. Oh là là. C'est indécent, un Linel comme ça. Je me sens moyen. Non mais non. Mais fous-moi la paix toi, va-t'en. Il va me suivre jusqu'au bout des enfers, en fait, lui. C'est ça qu'il veut me dire. Ah, déjà ? Fait déjà. On s'entend. Hein. Tiens, bonjour, madame la fée. J'apprécie. Eh bien, bonjour. Bonjour, mon cœur ! Et c'est tout. Ah, on me soignait. Elle est pas gentille. Moi, j'aurais voulu qu'elle me soigne et tout. Et là, plot twist, les fées sont méchantes contre Octavo. Après, elles ont pas été si décidantes hein, contre moi. Donc, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Pourquoi tu veux pas me donner mes cœurs? T'es vilaine. Non, dégâts plus 1. On va voir le marchand s'il faut, il a de la vie. Non, il a pas de vie, mais on peut renvoyer les projectiles. Ça, ça me plaît. Allez, on s'en va. Qu'est-ce qui s'est brisé? Mon anneau. Je sais même pas ce que j'avais. Oh, je suis bloqué. J'étais bloqué. Oh non, faut refaire. J'étais bloqué à cause des cases. J'aurais dû lâcher une bombe, tant pis. C'est pas grave. Non. On va pas là-bas. Mais mes bottes plus un, là. Mes bottes cassées. Et j'ai plus d'argent pour aller chez le marchand. Pourquoi j'ai fait ça? Tout est en vert, c'est nul. Enfin si, ça fait des dégâts, mais c'est pas ouf. Parce que je me fais toucher, tout se pète. Après, les gens me diront, mais t'as qu'à pas te faire toucher. À ceci, je réponds, j'y arrive pas.
La preuve. J'ai plus de torche, j'ai plus rien alors qu'elle était bien ma torche. Je suis en train de ruine, mais sévère. Allez, le mini-boss. Il est où? Il est où le mini-boss? Oh, il est là. Oh non. Non, va-t'en, s'il te plaît. Sale gosse. Chute libre. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, j'ai fait tomber un boss. J'ai fait tomber Link. Yes. C'était complètement calculé. Je suis trop fort, c'est tout. Arrêtez. Pas du tout. Dans le monde, on appelle ça le déni. Ouf. Vilain pingouin. Je suis pas trop mal là, sur cet étage. Donne-moi une torche. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez pour l'anneau. Mince. Oh là là, il y a un caillou. À l'aide. Je continuerai à dire que je suis pas mal sur cet étage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un archer. Non, il maîtrise mieux le carré que moi. Oh, il y en a deux. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce ma mort que je vois arriver? Oui, elle est là. Il est bloqué. J'y arrive pas. J'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Je m'énerve tout seul peut-être, mais je n'y arrive pas. Bon. Allez, on est reparti. C'était quoi ça? Personne ne sait. Sanctuaire de coral, c'est quoi? On saura pas. On saura pas ce que fait le sanctuaire de coral. Bon, par contre, j'ai gagné beaucoup d'argent. Toi, tu t'en vas, tu m'énerves. Et mince! Je l'ai vu arriver, mais je pensais le tuer pas du tout. Bah, il est où le marchand? Mais qu'est-ce que... C'est encore un bouclier, hein. Satané bouclier. Je suis tendu. Oui, je suis tendu. Tendu. Je suis tendu, tendu. Bon, ça va le boss là. Ouf. J'ai vécu pire. Mais il y avait pas le marchand vers le haut? Si. Moi je vais lui dire bonjour. S'il faut, il y a un cœur. Pas du tout. Mais là, cette vision qui est très bonne. Ouh, j'ai clean l'étage. Alléluia. Le cadeau, génial. Allez. Deuxième étage. C'est quoi cette boule de feu? On l'avait jamais vue, ça aussi.
Faut pas marcher dans deux directions différentes, là. Mais... mince! Oh là là! Alors que les cœurs tirent la tronche. Il a pas de vie. Ah, il a des dégâts, cela dit. Va-t'en. Je sais que tu m'aimes bien, mais va-t'en. Il est où, le mini-boss? Non, c'est Link. Oui, va-t'en. Tu ne maîtrises pas le carré. Moi, oui. J'avais tellement pas de vie. Non, mon cœur! Y'a quoi là-bas? J'ai peur d'aller regarder et de me faire exploser. S'il te plaît, soigne-moi, je t'en supplie. Non mais... bonjour mon cœur! Mais... comment tu veux que je te soigne? Le Tout-Puissant a scellé mes pouvoirs magiques. Je ne peux plus soigner qui que ce soit. Mais à quoi tu sers? Pourquoi tu es là? Oh non! Ouf! J'ai tellement géré. Bon, on passe à un autre étage. Oh non, il y a un Zora. Cassez-vous. Il y a le Zora. Et toi, tu vends un truc? Non, mais... tu vends plus rien. Je t'ai fait un compliment une fois, ça y est, c'est fini. Mais pourquoi tu vas attaquer le... n'attaque pas le marchand. Oui, alors, spoiler, si on attaque le marchand, il nous éclate. Hein. Pour vous à la maison, moi vous êtes au courant. Bon, j'ai bien régène avec mon anneau, cela dit. Heureusement qu'il était là. Non, mes dégâts! Non! Ça y est, ça redevient n'importe quoi. Mais non. C'est ça le mini-boss? Oh non, c'est pénible. Il m'a éclaté. Oh, j'avais pas vu ma vie. Ah ouais, il m'a vraiment fait mal. Oh, mais il y a encore un étage. Je vais jamais y arriver. Un cœur. La pitié. Ayez pitié de moi. Ouh, du cœur. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Bah oui, mais non. Pour l'instant, la pitié, elle fonctionne bien. Ayez pitié d'une âme en peine. La gestion du carré vaincra. Au secours. Non, la lumière s'est éteinte. Tant pis. Ça va. J'ai vécu pire comme téléportation.
Cette fée-là... Va-t'en, quoi. Heureux. J'ai pas trop de chance aujourd'hui avec ma box. J'ai pas trop de chance. Hop. Normalement, nous sommes en ligne à nouveau. Je suis vraiment désolé. C'est pas ben, ça, malheureusement, c'est les imprévus. Je peux rien faire contre ma box qui décide d'exploser aujourd'hui. Mais ça fait la deuxième fois en moins de 2 heures. J'espère que c'est pas la box et que c'est juste Orange qui s'amuse. Mais ouais, ça commence à être un peu le chaos là. C'est pas génial. Je suis pas content. Je suis vraiment pas content. Mais bon, je peux rien faire contre malheureusement. Je suis sur ma connexion du téléphone, j'espère que ça va passer. Parce que ça m'embête. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de finir vite. Comme ça au moins, tant que c'est on, je finis vite et... Bon, c'est pas grave, je me concentre. Je finis l'aventure avec Octavo. Enfin, je sais même pas si elle est finie, donc bon, on va voir. Là que apparemment tout est on, tout est en stream, tout est bon. On va le finir tranquillement. Et on verra après... comment je gère ou comment on gère de notre côté. Test. Je l'ai pas vu s'afficher. Je vais le faire moi-même aussi. Test. Ok, c'est bon. Ça passe. Bon. Allez. On s'affole pas. Non, c'est pas ça qu'il faut. Ouais, si tu veux. Allez. Hop. On s'affole pas. On reprend. Ça m'embête, hein, tout ça, mais bon, j'y peux rien, malheureusement. Enfin, heureusement. Comment on avait fait, là? Comme ça, hein. Je crois qu'on avait fait comme ça. Non, on avait fait comme ça. Là... Je sais pas pourquoi la musique s'est arrêtée, me demandez pas. Hop, là, ensuite, on prend le grappin. Ah, super, 3 bombes, je vais aller loin. Allez. Ta-ta-ta-ta-ta, on y va. Je sais pas si c'est la fin, je... On va voir. Et là, on peut rien faire. C'est bizarre, ça, parce que... On aurait pu... Enfin... Loin de moi l'envie de faire des commentaires négatifs sur ce jeu. Mais on aurait pu avoir 4 nouveaux éléments, en fait, et passer cette barrière pour pouvoir faire d'autres choses. Bon. Donc, ouais, je... Bon, allez, c'est parti, on va voir. On verra. On va voir. S'il faut, c'est juste Ganon. Ah non, c'est pas Ganon. Quoi? Que quoi? Ben, je suis autant étonné que lui. Que quoi? Tu n'es pas Ganon? Qui es-tu? Oh, voilà qui est le moins... Qui est pour le moins baroque. Mais moi... Mais le mois d'avant. C'est moi, mais le mois d'avant. Ne t'inquiète pas, cher Octavo, tes ennuis sont terminés. J'ai fait taire les voyantes, briser les liens du destin et vaincu Ganondorf avant qu'il ne prenne le pouvoir. Désormais, je vais pouvoir régner sur Hyrule sans entrave. Régner sur Hyrule, mais ça m'a jamais intéressé, je voulais seulement me préparer à l'inévitable. Tu es devenu le monstre que je me suis juré d'arrêter, je vais en finir avec toi. The Necrodancer. Ah! J'aime bien ce clin d'œil, comme quoi, en fait, Octavo, c'est le Necrodancer dans Crypt of the Necrodancer. J'aime bien. Allez, c'est parti. Bon, on connaît pas.
On va de suite arrêter ces bêtises. Oula. Je suis très concentré, je suis désolé, mais... Le combat est assez cool. Et je reconnais bien la musique de Crypt, là, sur le coup. Enfin... Ah. Bon, je sais plus les voix, tant pis. Mais tu as encore beaucoup à apprendre, jeune Octavo. Gua, 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 gua. Ça va plus vite. Je me fais attaquer par des maracas. Bon. Mes instruments! As-tu seulement idée de ce que j'ai dû endurer pour me les procurer? Tu dois le savoir en fait, mais mettons en terme à cette mascarade. Je sais pas lire, je suis tellement préoccupé par le combat que je sais pas lire. À moi, mes loyaux chevaliers, en formation de défense! Ouh là 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 là! Oh non! La maîtrise du carré n'était pas assez forte. Et ben on recommence. Le combat est très cool, cela dit. Le combat final est très très cool. Oui, je vais me TP là. Attends! Mais on dirait qu'on peut faire des choses hors du château. Peut-être que nous reviendrons sur ce jeu. On va essayer déjà de finir les boss, après on verra. Du moins le boss. Mais il est un peu trop énervé à mon goût. C'est vrai que j'avais pas ouvert la carte, mais j'aime beaucoup. Bon allez, c'est parti. Ouf, j'ai été protégé par quoi? Ah oui, c'est vrai que je crains pas l'électricité. J'avais oublié. Oui, bah... Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il fait hâte. Mais c'est vrai que j'ai hâte, moi aussi, mais je suis vraiment bête de jamais utiliser ça. C'est plutôt fort, même. Genre... Bib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 
Il est là. Ok, c'est bon. Et là, c'est le bordel. Parce que je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Parce qu'il y a les murs qui s'écrasent contre moi. Bon, niveau vie, je suis pas trop mal, cela dit. On va de suite péter les trucs en bas. Oh là là, mais quel chaos! Hâte! Mais il faut que je me dépêche en fait. Je sais pas s'il faut que je le tape lui ou. Je sais pas s'il faut que je fasse, punaise. Je sais pas s'il faut que je tue tout le monde. Ou s'il faut que je. Ah! Je sais pas s'il faut que je tue tout le monde ou si. Parce que tuer tout le monde avec le peu de dégâts que fait le pauvre Octavo là. Ouais ouais les chevaliers je pense mais. J'avoue que j'ai un peu de mal. Mais le combat est super cool. Hein. Ganon était cool dans sa manière qu'il fallait gérer les trois persos en même temps. Lui il a un. Je trouve qu'il est encore plus intéressant. C'est, il joue beaucoup plus sur les rythmes que cadence et que sur quand on a combattu Ganon. Et il est très cool. Et j'aime beaucoup qu'ils disent que en fait Octavo c'est Necrodancer. ça me plaît beaucoup. Mais je suis bête, je suis allé dedans, oh là là. Oui, réanimate, oui. Viens ici. Mais tu sais pas, lui aussi, hein. Allez, on y croit. Arrête. Ça y est, les maracas de l'enfer qui arrivent. Boum. Ok. Et je suis full vie. Il y a de l'avancée. Soit en bouclier badass en premier. Les jaunes, tu veux dire? Parce que les jaunes, ils sont énervés. C'est une bonne idée, mais... Allez, les maracas. C'est bon, j'ai ruiné un objet en... Le Glock. Oh là là, ce que je mets aux items. C'est pas grave. Je vais bien perdre un cœur si je gagne en vitesse et donc en cœur. Ok. Ouh, ça se passe plutôt très très bien là. Et maintenant, ben, on va essayer de gérer la fin. Allez. Allez. Je sais pas ce que fait l'orbe rouge, cela dit. Cassez-vous! Allez! Je prends trop cher. Mais mince! Je me suis encore planté! Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vais y arriver, hein! Il est vraiment dur! Il est vraiment super compliqué. Mais on y est presque. Oui, je sais qui tu es à force. J'attendais qu'il ait fini avec sa hâte. Je suis allé me suicider pour un cœur que j'avais déjà. Hein. C'est ça le vrai pouvoir. Oups, j'ai glissé. Non, je veux pas qu'il se ranime.
Allez, un petit coup là. Bon, ça s'est moins bien passé que tout à l'heure. J'ai perdu beaucoup de... Tu peux taper le vieux une fois qu'un chevalier tombe si j'ai suivi. Ah. Et le problème, c'est que si j'en tombe un... Il y en a beaucoup qui reviennent. Il veut pas me rendre des cœurs, les gens. Ok. Je suis prêt. Je suis prêt à mourir. Et voilà, je me fais éclater. Je ne sais pas pourquoi. Oh mais non! Mais où je suis? Mais où je suis? Mais j'étais repoussé dans un angle, j'ai même pas vu où j'étais. Ça commence à m'énerver. je savais plus où j'étais. J'ai perdu le fil. Oh. J'étais presque. Enfin, je crois. Rude. T'as vu, il m'a poussé dans un coin. Je suis très déçu. J'ai pas compris ce qu'il m'a fait à la fin, là. Il voulait vraiment pas perdre. Non, je te donnerai pas ton loot. C'est mon loot. Ah, il peut tirer du feu à travers les statues, lui. Moi, je peux pas, mais lui, il peut. Il est trop fort. Mais je comprends pas, parfois, il tue ses alliés. Bon, on va pas s'en plaindre. Hein. Oh. Petit cœur, là. Tiens. Tiens! Allez, casse-toi le poison. Tiens! Ok. Oui, oui. Moi, j'en veux pas encore. Je vais t'éclater la tronche, c'est tout ce que je veux. Oh! Trop de squelettes, tue le squelette. Arrêtez. Je peux pas toucher les maracas. Bon, toi, t'as servi à rien, tant mieux. Ah, tant pis. J'ai un cœur. Ouf. Bon, c'est un peu la catastrophe. J'ai que 7 cœurs. Non, 8. Je sais pas compter non plus. Le tempo, il va un peu vite pour réfléchir, en fait. C'est le problème. Enfin, c'est pas le problème, c'est le but du jeu. Je sais même pas ce qu'il faut que je tape. Ah, je suis bloqué! Mais je suis bloqué! Mais je sais pas pourquoi je suis bloqué, je peux pas continuer dans une direction et je me fais éclater. Je comprends pas ce qu'il faut que je fasse sur cette phase de combat. À part tout casser, mais... Il va tous les remettre en vie et il invoque des cercueils. Pas de bol, hein. Soit j'ai pas de bol, soit je suis vraiment mauvais, mais je comprends pas. Déjà, si je comprends pas ce qu'il faut que je fasse, il y a un petit problème.
C'est la conception du jeu, elle est pas bonne. Ok. Bon. Je suis en PLS. Ah, elles sont bien placées. Comme ça, au moins un objet en moins. Non. Ok. Non. Poussez-vous. J'en ai pas peur. Oui, tes instruments, oui, je sais, oui. J'ai un peu plus de cœur que tout à l'heure, mais... Sur la phase où tu galères, focus les orbes, tape le vieux, va sur la case du fond. Oui, j'imagine, parce qu'elle brille, mais j'ai du mal à y aller. Genre, je me fais atomiser par les squelettes, là, les têtes surtout. C'est vous. Je suis bloqué. Je suis bloqué. Oh là là. Non mais... Mais je comprends pas. Comment je suis censé passer? À chaque fois, il me repousse à l'autre bout de la... De la salle, quoi. Je comprends pas. Pff, on s'en fout. Les mobs, tu t'en fous. Mais j'essaye, mais ils me repoussent à chaque fois super loin et après les têtes des squelettes, elles me défoncent. C'est... Je sais pas. Et la prise de décision est vraiment courte, quoi. C'est le tempo, il va très très vite à ce moment-là. Et malheureusement... Allez, le poison, génial. Allez... Je prends trop de dégâts. Le problème, c'est que comme le tempo il va très vite, ce que j'ai dit tout à l'heure, la prise de décision est dure. Et en plus de ça, si je loupe une pulsation, bah, je me fais éclater par... Oh, mais j'ai pas de cœur, mais... Mais pourquoi j'ai pas trouvé un seul flacon aussi? Allez. Ouais, génial. Bon, mais là, c'est mort. C'est mort avant même d'avoir commencé. Je sais pas pourquoi j'essaye, là. Mais, bon, vas-y. Abat-moi maintenant. Ça ne la comptait pas, on va dire ça comme ça. J'aimerais bien finir quand même. Hein. Mais j'y arrive pas. Eh oui, on sait. Allez. Ah, mais je m'en fiche des éclairs, pourquoi j'en ai peur à chaque fois? Je suis insensible. Ah, j'ai pas choisi la bonne direction. Bon. Les instruments. Time for my encore.
un cœur. On aime les cœurs, on aime les cœurs. Continue. À un moment donné. Je dis, je m'en fichais de l'électricité. Ok. Bon. Les bombes, ça fonctionnait tellement bien. Genre, je fais bonjour. Mais pousse-toi, oh là là. Mais pousse-toi. Ah. Il me restait un cœur, ça va, c'est facile. C'est pas fini. Si? Oui? Je sais pas. Il est facile ce jeu en fait. Ouais, je pense que c'est fini. Now it is time to atone for what I have done. Choc. I see that you're back. Are you still dying to know what fate has in store for you? No. No. I will leave that for those who are much wiser than I. Et c'est tout. C'était une fin un peu bâclée. Le son de la TV est fort en fait. Ben, quand je parle pas dessus, oui. Et pourtant, je l'ai pas touché depuis tout à l'heure. Aïe aïe aïe. Bon, j'en ai sué, mais c'était cool. Ça changeait beaucoup de Zelda et de... Bon, ben, en même temps, j'ai joué que la lance avec Zelda, donc c'était facile. Là, c'était beaucoup plus compliqué. Puis même, le combat final était beaucoup plus sympa avec Octavo qu'avec Zelda. Enfin, c'était une autre façon de faire, je trouve. Bon, c'est chouette. J'ai préféré le jeu du point de vue d'Octavo. Ben, je pense que la difficulté est beaucoup plus forte, ce qui rend le jeu beaucoup plus intéressant. Avec Zelda, bon, sauf le début, ça je l'accorde, mais dès que tu chopes une bonne lance et que t'as un minimum de cœur, ben tu roules un peu sur le jeu. Octavo, fallait vraiment gérer le carré. Si tu gérais pas ton carré, c'était pas bon. Bon, c'est chouette. Moi, je regarderai sûrement dans mon coin comment je peux faire pour sortir du palais de du palais d'Hyrule en version future, là, pour voir s'il y a des choses à faire. Et puis voilà. Et par contre, ben, faudra qu'on fasse un live sur l'aventure de Skull Kid maintenant. Mais Skull Kid, je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, tu vas me dire, je savais pas ce qu'Octavo donnait, mais on a vite compris qu'il fallait faire les quatre mêmes boss. J'espère qu'avec Skull Kid, ils auront changé un peu le truc. Bon, après on verra. Hein. Imaginons récupérer, c'est un beau lancer de roue. Ah, c'est dommage, c'est pas moi qui peux la lancer. Y'a que Jake qui peut le faire, si je dis pas de bêtises. Remboursé. Attends, il arrive. C'est moi, je peux pas la lancer. Mais il y a Jake qui peut le faire. Et on va voir en plus si ça bug chez moi aussi. Elle a pas l'air de bugger chez moi. C'est la roue. Et la roue, elle dit quoi? La roue, elle dit... Oh, tu as rien gagné du tout, mais en jaune. Ah, ça rend dommage. Je suis vraiment déçu pour toi. Ah, punaise, qu'est-ce que c'était dur!
Bon, on attend la fin des crédits et je vais arrêter là. Parce que je pense que au niveau des temps forts et tout ça, ça va être un peu le bordel et il va falloir faire du puzzle. Va falloir faire un peu de puzzle. Dommage pour nous. Mais là, la box, j'ai pas compris. Je pense qu'il y avait des travaux chez Orange, en fait. C'était bizarre qu'elle coupe deux fois en l'espace de même pas deux heures. Puzzle déjà bien avancé. Merci beaucoup. Ça sera plus facile pour nous, les monteurs. C'est gentil. Comme ça, on fera des VOD. Tu devrais mettre des trucs du genre raconter une blague dans la roue. Ouais, non. Elle y est déjà, en plus, sur le blanc, je crois. Sur le blanc, c'est une blague. Sur le vert, c'est t'as rien gagné en vert. Sur le jaune, c'est t'as rien gagné en jaune. Le rose, c'est tu as le droit de faire un don ou fin don, je sais plus. Et le rouge, c'est tu gagnes un jeu sur Steam. Si je dis pas de conneries. Ah, t'es juste pas tombé sur la bonne case, hein, c'est tout. Non, mais la roue, de toute façon, ça va être quelque chose qu'on va améliorer petit à petit. C'est là, on va voir comment ça fonctionne petit à petit, et puis on verra. Je modifie la roue ce week-end. Ah bon, ben voilà. Au moins, c'est fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, ça a l'air d'être la fin de... Merci d'avoir tenu le rythme. La première fois, j'ai dit oui, la deuxième, j'ai envie de dire ouais, bof. Ouais, bof. Ah. C'est vrai qu'à la fin de la première partie, ils avaient montré la Triforce qui devenait sombre, là, elle redevient normale. Donc sûrement que pour Skull Kid, il va se passer autre chose, hein. J'ai mis 3h10. Eh bien, sauvegarder et quitter. Allez, on revient sur cet écran-là. Bon, ben, la prochaine fois, nouvelle partie, Skull Kid. Et moi, de mon côté, ben, y a que deux trucs à faire. Ouais, j'aurais jamais dû faire ça, c'est pas grave. Bon, ben, la prochaine fois, moi, de mon côté, je vais regarder ce qu'il y a à débloquer sur les deux autres fichiers. On dirait qu'il me manque un personnage ici. Il me manque des cœurs. Et ici, on a vu qu'on pouvait passer au côté futur de la chose. Et peut-être que là aussi, je regarderai. Tu as un écran de fin de stream, mais évidemment, qu'est-ce que tu crois? Je montrerai juste ce qu'on pourra faire, et après je vous dis au revoir et je te montre le super écran de fin de stream. Tu nous as pris pour qui? On est prêt maintenant. On est prêt contre toute éventualité, sauf la box qui pète. Mais ça, malheureusement, je pense que personne ne peut rien y faire. Bon, sur ce, merci de nous avoir suivis cet après-midi. C'était un peu... Ah, c'est quoi Hello Asso? C'est écrit dans la description en dessous. Voilà. Chez. Comme j'ai pas la description là sur moi, bon allez, rapidement. Hello Asso, c'est une structure qui nous permet de faire des dons et qui ne taxe pas... on va dire, ça taxe pas de... Comment on dit déjà? Quand tu passes via le stream, en fait, tu peux payer des taxes ou je sais plus quoi en plus, alors que sur Hello Asso tu ne payes pas de taxes. Je sais pas si c'est bien résumé. Commission, ouais, voilà, on va dire que le sur Twitch c'est Twitch qui prend la commission ou c'est un autre organisme. Je pense que c'est Twitch qui prend la commission, alors que sur Hello Asso il n'y a pas de commission et on gagne tout l'argent. Donc allez sur Hello Asso. Ah, punaise. Bon, sur ce, la bise.